Voilà, Miloulou, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, du côté de Michael Jackson, The Kiff Hop Hop, en tout cas. Et ben moi, ça fait plaisir aussi. Je sens que vous avez aimé ça, en tout cas. Bah oui, parce que sans les enfants du rock, évidemment, il n'y a pas Michael Jackson. Parce que c'est lui qui a fait découvrir de toute la musique, justement, de début, avec ses frères, The Jackson 5, jusqu'à The Jackson, et bien sûr, jusqu'à lui-même, Michael Jackson. En tout cas, si. C'est pour ça que moi, au lieu que la télévision passe en dernier, moi je passe en premier. Et ça, c'est ma façon et c'est à ma sauce. Si vous aimez la vidéo de Michael Jackson, en tout cas que j'ai passée, bah, vous cliquez justement Filet ton mot. Et l'émission s'appelle Les Enfants du Rock, Geekette. Oui, bah, évidemment, c'est pour ça qu'on appelle ça. Moi, j'appelle Les Enfants du Rock, Geekette. Voilà, c'est notre façon. Allez, on va passer à autre chose. Alors d'abord, on va parler justement le meilleur souvenir. En tout cas, vous a rappelé le premier que j'ai beaucoup aimé de Michael Jackson, c'était Ben. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était le meilleur film d'horreur justement qui était nominé des Oscars. Mais en fait, c'est plutôt la chanson lui-même que j'ai adoré. Vous savez pourquoi pourquoi il a chanté pour Ben justement? Parce que son meilleur ami, c'était un rat qui s'est fait avec qui s'est nommé Ben. Et malheureusement, vu que son père Joe Jackson, évidemment, qui a pas, bah lui qui est plutôt brutal, comme on peut dire, et si jamais il trouve le rat, justement, il est capable de tuer. Et donc, justement, il a le pauvre, bah, évidemment, il est obligé de protéger le rat, justement, Ben. Et malheureusement, Ben, il s'est fait piéger par le piège à souris. Et il s'est fait tuer par le piège de souris. C'est pour ça qu'il a fait, pour se venger de la mort du rat, que c'est son père qui a tué, la vengeance de son père qui a tué son meilleur ami, il a écrit la chanson, justement, il a composé le rat qui s'est fait appeler Ben. Et c'est pour ça que Ben est le meilleur ami de Michael Jackson. C'était son premier meilleur ami. Et c'est pour ça que Ben a été élu le meilleur musique de la chanson du film du rat aux Oscars d'Hollywood. Allez, maintenant on va passer à autre chose. On va parler maintenant de côté, bien sûr, on va parler justement le vrai rock. Et bien sûr, Michael Jackson, c'est le rock, le vrai pop. Et là, cette fois-ci, mes loulous, tu vas parler des vrais cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on va passer des générations, mais évidemment, on va passer des meilleurs. Et vous savez qu'il y a aussi les parodies du rock, évidemment, que j'aime beaucoup, c'est les Inconnus. Les Inconnus, je les adore parce que déjà, c'est les meilleurs groupes numéristes qui étaient aussi dans les années 90. Et il nous a fait un petit peu humoristique du rock. Donc il y a évidemment Poésie, le meilleur de hard rock, mais à leur sauce. Et même si c'est côté humour, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est Et vice versa, et ça c'est le plus beau humour. Mais écoutez bien le texte, même si c'est un petit peu l'humour, c'est un message qui est très important. Ensuite, on va parler, évidemment, on va passer David Bowie, parce que David Bowie est fait partie de un des gros icônes justement des enfants du rock. On va passer Renaud, et avec d'autres surprises, évidemment, encore d'autres surprises. Et à la fin de l'émission, on va repasser Michael Jackson, mais cette fois-ci une surprise que vous allez découvrir. Et je pense que ça va faire plaisir. Et en plus, c'était le meilleur album. Je ne vous dis pas plus. Ça sera une surprise à la fin. Et je vous rappelle que c'est l'anniversaire de ma petite puce, ma jolie nanou. C'est pour elle que je ferai son émission. Évidemment, mon première émission, c'est pour son anniversaire. Je ne dirai pas plus que ça, sinon ça va gâcher la surprise pour elle. Alors ma petite nanou, tu verras ta surprise un peu plus tard. Mais tu profites de la surprise, mais la vraie surprise, ça sera pour toi justement. Allez, tout de suite, on va passer les Inconnus justement, hein, les Iversa, et puis la poésie, et puis voilà quoi, ok? Allez, tu envoies plein de commentaires si tu veux, tu mets filet de tombeau, hein, mes loulous, envoie-moi le commentaire, et puis, eh oui, les enfants du rock est de retour, alors je compte sur toi, ok ma poule? Allez, les Inconnus, c'est à toi, mon pote.